Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je vous propose de faire un bond dans le temps. Imaginez-vous en 2022 dans cette rame automatique qui sera alors en circulation sur la ligne 4. Car cette ligne 4, l'épine dorsale du réseau parisien, est en pleine mutation. Relooking des gares, automatisation des trains, mais aussi prolongement vers Bagneux. La ligne 4 de demain se dévoile aujourd'hui dans Parigo. Allez, c'est parti! D'ici 2022, la ligne 4 aura bien changé. En attendant, les travaux liés à l'automatisation vont bon train. Les plus visibles, la pose des portes palières, il y en a 1062 à fixer. Vous découvrirez également le futur style ligne 4, conçu spécialement pour redonner un coup de jeune à des stations plus que centenaires. Nous irons aussi en sous-sol voir concrètement où en est le prolongement vers le sud, direction Bagneux. L'ouverture de deux nouvelles stations est prévue mi-2021. Et puis en fin d'émission, grosse exclue, Parigo vous dévoile l'aménagement intérieur des MP14, les futurs métros ultra-modernes de la ligne, en cours de fabrication chez Alstom, à Valence. Qui dit automatisation de la ligne dit porte palière. Il y en aura très exactement 1062 des portes comme celle-ci qui vont être installées sur toutes les stations de la ligne. Un chantier colossal qui a débuté ici à Mouton-du-Vernay. Bonjour Edgar C. Bonjour Bertrand. Vous êtes le responsable de l'automatisation de la ligne 4 à la RATP. On sera dans les temps pour 2020 puisque les premières rames automatiques, elles arrivent dès l'an prochain quand même. Alors il faut toujours un petit peu de temps pour roder le chantier, mettre au point les dispositifs. Là, c'est en train d'accélérer et effectivement, on va poser des portes palières jusqu'à mi-2020 à peu près. Alors un mot justement sur ces portes qui sont très spécifiques à la ligne. Elles ne ressemblent pas du tout à celles qu'on connaît sur la 13, la 1 ou la 14. Alors effectivement, on a recherché un design particulier pour les portes palières de la ligne 4 pour à la fois mieux scénariser l'échange voyageur avec une forme en termes d'arche, avec un suréclairage au niveau des suées de porte, etc. Une forme biseautée qui permet aux personnes mâles ou non voyantes de mieux repérer la zone où les portes vont s'ouvrir. Et puis on a également cherché une meilleure intégration dans l'architecture historique du métro parisien. Avec ces stations qui vont être également relookées avec un style ligne 4, ça aussi c'est nouveau. Alors le style ligne 4, c'est en s'intégrant dans les aspects historiques de nos stations, avec les portes palières, c'est du carrelage au sol, deux teintes en alternance gris clair, gris foncé pour mieux repérer l'espace, la perception de l'espace dans nos stations historiques. C'est également ce qu'on appelle des coins salons au niveau des intervoitures avec de la couleur, une alternance de couleurs tout au long de la ligne. Et puis l'info voyageur également, portée sur les façades de quai, permet d'avoir le temps d'attente des prochains trains et l'année prochaine, les informations des lignes en correspondance. Alors au-delà de ce chantier, qui est celui des stations des portes palières, il y a tous ces petits chantiers très très nombreux qui sont en fait ceux correspondant à l'automatisation de la ligne, puisque ce qu'on voit là, c'est la face immergée de l'iceberg. Par analogie avec ce qu'on a vécu du temps de l'automatisation de la Une, en quelques années sur l'automatisation de la Une, il y a eu 13 500 chantiers, quasiment que de nuit. Sur la Une 4, c'est la même chose. Et donc, on a une plage de travaux qui est extrêmement réduite la nuit, puisque en pratique, on a 3 heures pour que les équipes travaillent, fassent les travaux de nature très variée. Il y a des travaux de voie, on pose des systèmes de contrôle commande des trains, la signalisation, il y a les portes palières, il y a la préparation des quais, génie civil, les aménagements dans les stations. Donc, il y a énormément de choses à faire dans un temps très, très contraint. Alors, si tout va bien, les premières rames automatiques sont attendues ici dès l'année prochaine et l'automatisation complète de la ligne pour 2022. Alors concrètement, on va aller voir comment se déroulent ces travaux de nuit. On a suivi une équipe de la RATP. Ça s'est passé la nuit dernière. C'était Pierre de Baudouin et Nicolas Metauer. Sur le bord du quai, ces techniciens installent une porte palière de 800 kg. Au millimètre près, ils ajustent les fixations de ce module. Hop, 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 relève. Relève 2 secondes. Un travail d'une extrême minutie et une véritable course contre la montre. Depuis l'été dernier, chaque nuit, en seulement 3 heures, ces ouvriers transportent, posent, mettent en service et testent 2, voire 3 portes palières dans les stations de la ligne 4. Tout cela avant la reprise du métro à 5h30.
C'est un challenge pour le projet, effectivement, de réaliser ces installations dans le temps restreint de la nuit et aussi de garder le rythme parce que la ligne 4, ça va être au total 1062 porte-palières à installer et on va les installer toujours pendant les interruptions de service. La pose de ces porte-palières, une étape essentielle dans l'automatisation de la ligne 4. Cela va permettre de déployer les premières navettes à l'horizon 2020. C'est aussi l'élément le plus visible pour les usagers. En plus d'être automatique, ces portes sont communicantes. Elles informent les voyageurs sur les temps d'attente des rames, d'où les nombreux câblages électroniques installés à l'intérieur des 23 façades que compte chaque quai. L'ensemble est très compact et donc il a fallu caser toute la partie aussi contrôle de commande des portes puisque chaque porte a une platine électronique qui commande ses mouvements. C'est un équipement sur un quai, même s'il a été renforcé, sur un quai qui a une centaine d'années. Avant d'installer ces portes, il a fallu en effet renforcer, avec des dalles en béton armé, les quais d'une ligne de métro ouverte en 1908. L'objectif est de permettre à ces façades de résister aux forces de poussée des rames, mais aussi des voyageurs. Commencés en 2016, ces travaux doivent se terminer l'an prochain. On se retrouve à Bagneux, à l'emplacement du futur terminus de la ligne 4. Une station qui s'appellera Bagneux-Lucy-Aubrac. Et pour arriver jusqu'ici, il a fallu creuser 1,8 km de tunnel. Bonjour Laurent Ferrière. Bonjour. Vous êtes le responsable du prolongement de cette ligne 4. Alors on le voit, hein, ici, les travaux de génie civil sont terminés. Ça commence concrètement à prendre forme. Effectivement, les travaux de génie civil, les travaux d'infrastructure de la station sont terminés. Nous avons commencé à démarrer les équipements, en l'occurrence les équipements ferroviaires, par la pose des voies dans la station et dans une partie du tunnel. Alors le tunnel, lui, a été complètement creusé. Concrètement, quelles sont les prochaines grandes étapes avant la mise en service de ce prolongement? Alors là, nous sommes rentrés dans une phase d'aménagement, alors des équipements dans le tunnel, mais aussi dans la station Bagneux-Lucy-Aubrac. Donc ces travaux consistent en l'occurrence ici à poser les voies, à poser l'alimentation traction électrique, à poser la signalisation, ça c'est dans la partie tunnel. Et puis dans la station, ça va être les aménagements visibles par exemple des voyageurs, donc les revêtements de sol, les peintures, les carrelages, les éclairages, voilà, toute la partie visible pour les voyageurs. Et puis à terme, il faudra bien sûr fermer cette station qui aujourd'hui est à ciel ouvert. Nous aurons une verrière qui va venir chapeauter cet accès principal. Alors on va parler forcément du calendrier, hein, puisqu'on attendait à l'origine hein, l'ouverture de cette station en 2017, puis en 2019. Maintenant on vise 2021, on sera dans les temps. 2021, c'est l'objectif effectivement. Alors nous avons eu des difficultés liées principalement aux acquisitions foncières, puisque même si nous creusons principalement et nous réalisons les travaux en souterrain, nous avons besoin d'emprise en surface. Et les acquisitions foncières nécessaires justement à la libération de certaines emprises pour la réalisation des travaux nous ont posé quelques difficultés. Donc, effectivement, c'est derrière vous. Voilà, c'est derrière nous et aujourd'hui notre objectif c'est mi-2021. Alors de l'autre côté de la ligne, dans cette direction, cette fois-ci, il y aura un centre de maintenance des trains. Ça c'est vraiment nouveau pour la ligne 4. Il y a effectivement un tunnel d'arrière-gare qui fait à peu près 800 mètres de long qui va nous permettre de garer une quinzaine de rames de métro et à l'extrémité donc de ce tunnel il y aura un centre de dépannage des trains pour la maintenance de premier niveau. Les trains vont rester quelques heures pour repartir en ligne le plus rapidement possible. Et effectivement quand ce centre de réparation sera mis en service à l'horizon donc 2021, ça sera un vrai plus pour les 750 000 voyageurs de la ligne. On se retrouve à Valenciennes, c'est là que sont fabriqués et bichonnés les nouveaux trains de la ligne, les fameux MP14, que vous avez découvert tout à l'heure nus dans un précédent reportage. Moi, ce que je vous propose, c'est de monter à l'intérieur pour découvrir en exclusivité pour Parigo son aménagement intérieur. Bonjour Jean-Louis Perrin. Bonjour. Vous êtes le numéro 2 d'IDF Mobilité. Alors cet aménagement intérieur, on va le découvrir avec vous. Ces rames ont été imaginées en 2014, d'où leur nom, hein, MP14. C'est plutôt conforme à ce qui avait été annoncé.
On est très très content du résultat. On cherche toujours le confort pour nos voyageurs. Améliorer le confort en termes acoustiques, en termes lumineux. Et donc effectivement, là par exemple, un éclairage par des LED qui est de très bonne qualité et qui permet d'avoir un niveau très agréable de confort lumineux tout du long de son voyage. Alors qui dit confort dit aussi siège, avec un côté bicolore assumé. On souhaite bien marquer au niveau de l'ensemble des sièges, les sièges qui sont réservés pour tout le monde et les sièges qui sont réservés pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les femmes enceintes, les gens avec des bagages, les personnes âgées, les personnes handicapées, pour bien marquer... Ça sera des places réservées qui existent d'ores et déjà ailleurs dans les autres métros. Mais ce qui est nouveau, c'est ce qui est juste ici. Alors, on a ici, dans chaque voiture à l'avant et à l'arrière du train, une place spécifique pour les personnes en fauteuil roulant. Donc une place complètement réservée avec une barre de préemption pour pouvoir s'accrocher dans l'ensemble du voyage. Alors cette rame, elle se veut également plus écologique. Malgré tous les équipements nouveaux, malgré le poids du train, on a globalement une consommation électrique de 20% inférieure à celle que nous connaissons habituellement sur les anciens métros. Alors ces rames sont vidéo surveillées et ouais. Il y a également de l'information voyageur moderne. Promis, il n'y aura pas de pub là-dedans. Non, l'objectif est d'apporter la meilleure information possible aux voyageurs. Donc on a des plans ici que vous connaissez, très classiques, qui sont dynamiques avec l'indication des stations. Et ici, de l'information sur les conditions de transport, sur toutes les offres de transport qu'on peut offrir. Ah, on parle de ces sièges, on va peut-être les tester. Eh oui, allons-y. Est-ce qu'ils sont vraiment plus confortables que les autres? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont plus larges que ceux dans les trains conçus dans les années 60, c'est une évidence. Ils sont plus larges. Vous voyez qu'ici, on a un espace qui est un peu plus grand, qui correspond à l'évolution des morphologies actuelles. Donc, plus d'espace dans les fauteuils qui sont en face à face, comme vous et comme moi ici, de façon à avoir également un meilleur confort. Et dernière petite précision, il n'y aura pas de la clim, mais une ventilation réfrigérée. Une ventilation réfrigérée, comme nous la connaissons déjà sur les rames plus récentes que nous avons livrées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez, je l'espère, un petit peu plus sur les différents chantiers en cours sur cette ligne 4 en plein renouveau. Pour avoir cette émission et les précédentes, un réflexe, notre site internet et notre page YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez d'ici là un très, très bon week-end. Salut !